Le poète ne trompe pas la mort qui se tient sans relâche aux aguets et qu'il faut affronter en permanence, l'homme n'est pas évacué. Au contraire, la poésie d'Alain Gigou le restitue dans sa précarité, dans sa grandeur, qu'il s'agisse de ses compagnons de bordée, des écrivains admirés et totémiques comme Pélieu et Kerouac, ou encore de ces peuples d'Indiens spoliés sur leur terre, de leur histoire et de leur dignité, réduits à un rôle de figurant. Alain Gigou n'est pas non plus à coup de Alain Gigou n'est pas non plus à court de coups de gueule contre les clampins de l'Europe qui ont tué le métier de pêcheur et démaillé le tissu social. Poésie engagée, manière de dire le malheur des hommes dans leur vie de tous les jours, tout en rafraîchissant le poème, par respect pour eux, par ambition pour une forme singulière.